c'est de patienter le temps de, que les préposés s'organisent pour faire descendre la bière jusqu'ici. Merci. En attendant, on peut continuer à écouter la musique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs de la communauté locale de Boissard, à la famille et aux amis du défunt, bonsoir. Nous assistons cet après-midi à la cérémonie funèbre de notre frère Paul-Émile Stralka, un homme que nous avons connu pour la plupart comme un passionné de la musique. En cette circonstance, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu d'adoration et nous vous disons bienvenue. Croyez que le Dieu de toute consolation saura vous consoler par les promesses contenues dans sa parole, les Saintes Écritures. À la famille et aux proches, nous adressons nos sincères condoléances. Cet après-midi, pour commencer ce programme, nous allons vous inviter à chercher dans votre programme le chant « Près de Jésus » le 319. Je trouve un sûr asile. Merci. Simone quand je veux bien s'approcher.
D'espérance, de consolation, d'espoir. Voici ce que je trouve dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, pour les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons avec le Seigneur à jamais. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole, cette promesse. Amen. Amen. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité. Nous te reconnaissons comme celui qui nous a créés, comme celui qui nous a rachetés, et aussi comme celui qui nous console. Et ce sont des circonstances bien douloureuses qui nous rassemble en ce lieu cet après-midi. Un de ceux que tu appelais ton enfant s'est endormi. Mais nous voulons, Seigneur, te dire merci pour l'héritage qu'il nous laisse. Nous voulons à cet instant te prier d'être particulièrement avec chacun de nous. Que chaque parole qui sera prononcée, que chaque chant qui sera exécuté, soit de nature à réconforter, à consolider notre espérance. Merci d'être particulièrement avec notre sœur Stralka, ainsi que ses enfants, ses petits-enfants. Selon tes promesses, tu as promis, Seigneur, d'être auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Et nous nous approprions ces promesses, te priant, mon Dieu, de visiter d'une manière spéciale cette famille. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que nous croyons en ces promesses et nous espérons en toi. Puisses-tu nous assister en cet instant et nous nous plaçons donc sous ta divine direction. Que tout soit fait comme tu le veux, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Merci d'accepter notre prière que nous t'adressons selon les seuls mérites de Jésus. C'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Merci. Excellent
is thy name. Oh, oh Lord, our Lord, our excellent is thy name. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers proches, chers parents, la vie de certains hommes exprime une musicalité hors du commun, porte des nuances permettant de restituer la dynamique d'une œuvre d'exception. Cela, loin de nous quitter, reste à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Le jeudi 13 mars 2014, Paul-Émile Stralka a rendu le souffle et s'en est allé pianissimo. Il a exprimé cette nuance, difficile à exécuter, de manière remarquable. La vie de ce musicien a été écrite comme une symphonie, une savante composition instrumentale comprenant plusieurs mouvements joints ou disjoints. Paul-Émile naît le 12 juillet 1923. C'est le dernier garçon, pas le dernier enfant, mais le dernier garçon d'une fratrie de 9. Et sa conception est certainement associée à une pensée musicale très forte. Ses sœurs se prénomment Paulette, Solor, Inès, Armel, Élaïs. Ses frères se prénomment Henri, Gervais et Mozart. Cela ne s'invente pas. Son père, Émile, est organiste à l'église Saint-Jules de Pointe-à-Pitre. Petit Émile, car Paul vient du latin Paulus, qui signifie petit, petit Émile sera marqué par cette figure paternelle qui disparaît en 1931, âgé de 49 ans. Lui a 8 ans. Il est jeune pour vivre cela. De ce moment, naîtront un profond chagrin et une sensibilité particulière qui inciteront probablement Paul-Émile à suivre les traces de ce père. Dès son plus jeune âge, il est chantre puis organiste à l'église Saint-Jules de Pointe-à-Pitre. Il apprend l'ébénisterie. C'est un artisan doué, rigoureux, dont le talent est apprécié et reconnu.
sauf erreur de ma part, le meuble sur lequel je m'appuie a été façonné de ses mains. Il devient responsable de ce secteur au service technique de la ville de Pointe-à-Pitre. Paul-Émile est bel homme. Il a de la classe, n'est-ce pas, mamie? Il affiche une allure élégante. Il est éloquent. Il a un charisme naturel. Il aura 9 enfants. Jacques, Jean, Annie, Josie, Marianne, Marie-Louise, Daniel, Georges, Rudy. En 1947, il épouse Lucie Gosse et en 1950, il déclare une nouvelle foi en Christ. Il reçoit le baptême à l'église adventiste du septième jour. Ce nouveau mouvement de vie est manifestement orchestré par une puissance supérieure. Les talents de Paul-Émile sont décuplés par le désir de servir et la conviction que la musique classique est le souffle de Dieu. Il est sollicité dans les églises et joue un rôle actif dans le développement de l'approche musicale au sein d'un mouvement religieux en pleine croissance. Il devient initiateur de la musique instrumentale et démontre l'importance de la musique sacrée dans le processus d'adoration. Paul-Émile est persuadé que cette musique est indispensable pour l'épanouissement harmonieux de la communauté. Il décide alors de former de nombreux organistes afin que l'harmonium ou l'orgue accompagne la liturgie chrétienne dans chaque église de la Guadeloupe. Il choisit de se mettre au service de l'église de Boissard en tant que chef guide et chef de chœur. Les jeunes de l'époque se souviennent d'un homme préoccupé par la justesse rythmique, la cohérence ou les équilibres sonores, la maîtrise des détails, l'importance de la tenue. Paul-Émile vibre à l'idée d'insuffler un esprit commun à un groupe d'individus et aurait pu prononcer les mots de Riccardo Muti, célèbre chef d'orchestre contemporain. Un orchestre symphonique est la plus belle métaphore de la société que je connaisse. Chacun est indispensable, mais doit savoir s'effacer pour faire vivre une réalité supérieure. Paul-Émile s'engage aux côtés de plusieurs groupes d'instrumentistes et dirige pendant plus de 20 ans la fanfare de la ville de Pointe-à-Pitre. Il répond à une vocation sacerdotale et peut compter sur la compréhension, sur le soutien de Lucie qui gère sans faille le quotidien familial. Ses enfants sont fiers de son investissement et lui s'attache à leur transmettre un bagage d'une richesse inestimable, l'amour de la musique classique et spirituelle. Le temps passant, ce puriste observe les évolutions, les transformations de la musique dans l'Église. S'il ne rejette pas la modernité et se passionne pour de nouveaux instruments toujours plus performants et surprenants par la polyvalence et la liberté qu'ils offrent aux claviéristes, il s'interroge sur les choix et les orientations prises par les musiciens. La place de la musique dans la communion solennelle évoluerait-elle ? Ne devrait-on pas s'attacher à définir la modernité pour la mettre au service du sacré? Les instruments ayant chacun une fonction déterminée dans un ensemble, peut-on penser remplacer l'orgue ou l'harmonium dans la musique sacrée instrumentale? Paul-Émile est respectueux des avis et des opinions des autres. Progressivement, ses priorités changent. Il évoque de plus en plus souvent les souvenirs heureux de déplacements en Martinique, de joutes musicales amicales. Désormais, il est beaucoup plus soucieux de connaître les dates des prochaines vacances de ses enfants, de ses petits-enfants. Il rêve de les avoir
tous autour de lui. Il s'émeut des nombreuses visites qu'il reçoit d'anciens élèves, d'anciens choristes. Il reconnaît avoir été dur avec certains, mais note avec le sourire qu'aucun d'entre eux ne lui tient rigueur. Il repense à son enfance et fait preuve d'une mémoire exceptionnelle qui s'effritera tout doucement. Pendant ces années de pleine activité, Paul-Émile a beaucoup donné. Durant les dernières années de sa vie, il reçoit au centuple. D'autres artistes l'entourent, ceux qui lui prodiguent amour, affection et soins. Ils mettent en musique sa fin de vie d'une façon extraordinaire. Lucie est devenue un véritable chef d'orchestre et elle excelle. Les musiciens autour d'elle sont nombreux, je ne pourrais les citer. Toutefois, au nom de la famille de Paul-Émile, je souhaite adresser des remerciements particuliers à Monsieur et Madame Astasie Alice, à Madame Borès et à Monsieur Gautin. Mes propos ont peut-être été teintés par la fierté d'un proche qui sait que chacun des 9 enfants de Paul-Émile, de ses 24 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants, a reçu l'héritage d'un homme digne, fier, élégant, habité par un sens aigu du solennel et du sacré, mu par une passion profonde pour la musique classique, pour son enseignement, pour sa transmission. Désormais, je ne peux m'empêcher de penser que le plus beau rêve de Paul-Émile Strzalka se réalise. Pendant son sommeil, il avait eu le privilège inouï d'entendre des extraits de musique céleste. Il racontait avoir entendu les premières mesures d'une composition dont il avait relevé les principales caractéristiques. Un système tonal majeur, une mesure à 4 temps, une richesse instrumentale indescriptible, une phrase musicale impossible à reproduire. Il concevait que la pureté de l'instant ne pouvait se prolonger dans un cadre terrestre et estimait avec émotion qu'il avait fait l'objet d'une grâce toute particulière. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers proches, le chagrin des membres de la famille de Paul-Émile est grand. Il est associé à la perspective de l'absence et il est tout à fait légitime. Oui, nous sommes tristes, nos cœurs saignent, mais nous sommes sereins. Nous n'avons pas peur et la mort ne nous effraie pas. Nous avons une confiance inébranlable dans la puissance du Dieu créateur. Il a su inspirer aux hommes la musique. Il a su faire de la vie de Paul-Émile Strzalka une œuvre appartenant à un ensemble qui s'étend bien au-delà de nos perceptions. Il saura le rappeler à la vie, dans une enveloppe nouvelle, et lui donner part, sa part, dans l'exécution des compositions instrumentales et polyphoniques qui marqueront le retour en gloire de son fils Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi.
Quelques mots, nous invitons le frère Cantor à s'approcher. Frère Cantor. Frère Cantor. Bonsoir tout le monde. C'est une bien triste occasion qui nous rassemble autour de la dépouille mortelle de Paul-Émile Strzalka. Quelqu'un a dit que chaque fois qu'un pionnier s'en va, c'est un pan de l'histoire qui s'écroule. Que c'est bien dit, n'est-ce pas? En effet, c'est une vérité qu'on est appelé à constater journellement. Paul-Émile Strzalka, on vous l'a déjà dit, avec adresse d'ailleurs, il n'a pas œuvré seulement dans le domaine musical. On oublie souvent qu'il a apporté ses compétences au niveau des missionnaires volontaires, on disait MV dans le temps. Il a été en effet un des chefs guides de la première heure. Et nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, avec d'autres bien sûr. Un fait marquant qui m'est resté à la mémoire, quand, avec l'autorisation du maire de Pointe-à-Pitre, il a conduit un groupe de jeunes
lors d'un défilé officiel dans les rues de Pointe-à-Pitre. Quand, au monument aux morts, lors du salut habituel, eh bien, nous sommes tous restés immobiles, témoignage visible de nos croyances quant à la mort. Dans le cadre de nos activités, il fut mandaté pour représenter les jeunes du secteur à un congrès international à Cuba. Comme directeur de la chorale de Boissard, pendant de longues années, il s'était fait une réputation à travers toute la mission des Antilles françaises. C'est ainsi qu'en faisant appel à lui, en Martinique notamment, lors de grandes manifestations musicales, il répondait présent. Il fallait savoir, et vous le savez, qu'il était expert quand il fallait, avec ses doigts agiles, jongler sous le clavier de l'orgue. Avec lui, à la chorale, nous avons étudié de nombreux chefs-d'œuvre, tels que Alléluia de Handel, version complète et originale. Nous avons aussi exécuté des chants appropriés, circonstanciels, tels que « O Jésus Christe » en langue latine, s'il vous plaît, « aux grandes dames de l'assistance ». Vous devez savoir qu'il est encore là, dans son élément, parce que, comme on vous l'a dit, avant d'accepter l'Évangile, il était officiant, il était à l'église catholique Saint-Jules à Pointe-à-Pitre. Donc, il maniait très bien le latin. J'ai encore en mémoire, souvenir, le temps nous manquerait pour tout dire, le premier prix hors concours remporté par la chorale lors d'un congrès Martinique-Guadeloupe. À l'occasion, je n'ai jamais entendu d'amen aussi nourri. C'était la tribune juste en haut, là. L'église de Boissard, en ce temps-là, était l'une des pionnières de la production chorale adventiste en Guadeloupe. Aussi, des déplacements étaient souvent organisés au niveau des églises, mariages, obsèques, de partout, de toutes les communes. On nous appelait, les choristes, la chorale, on nous appelait pour pouvoir exécuter, accompagner, encourager. C'était un réel plaisir. L'église de Boissard, en ce temps-là, était une des pionnières de la production chorale adventiste en Guadeloupe. Aussi, des déplacements étaient souvent organisés au niveau des églises. Mariage, obsèques. Quelles que soient les obsèques qu'il y avait dans une commune, on invitait la chorale pour venir accompagner, pour chanter. Maintenant, on ne le fait plus. Mais en ce temps-là, il y avait ce cortège avec les gerbes, avec les choristes alignés et qui chantaient tout le long du trajet. C'était comme un témoignage. Et sûrement ça a servi. Au ciel seul, nous connaîtrons le résultat de ces chants exécutés le long des routes. Et puis, les déplacements étaient souvent organisés, sans oublier nos interventions. Oui, oui, le temps passe. Alors, s'il fallait dire tout ce que nous avons en mémoire, il nous faudrait un bout de temps. J'ai fait juste un catalogue qui nous permet d'avoir une idée, tout en n'oubliant pas que chaque mois, à Basse-Terre, nous avons une intervention au niveau de la radio, l'ORTF. C'est resté gravé. Enfin, mesdames et messieurs, sachez qu'un jour, qui n'est pas éloigné, Dieu doit dire « c'est assez ». La souffrance et la mort ne peuvent se prolonger indéfiniment. Il faudra bien
qu'il pose le point final de notre histoire. En attendant, je m'incline avec respect devant la dépouille de Paul Émile et j'ai l'assurance que le Seigneur saura lui donner au temps convenable la récompense dont il a droit. À ses parents et amis, nous adressons nos sincères condoléances. Nous avons eu là le témoignage d'un ancien choriste que nous respectons, car plus que toute chose, il est un témoignage vivant de ce qu'était le frère Paul-Émile Skalka. Au nom de l'Union des Églises Adventistes des Antilles et de la Guyane, nous sommes venus vous dire, famille, amis, alliés, que nous reconnaissons la contribution exceptionnelle d'un musicien, que dis-je, de maître, le frère Paul-Émile Skalka, qui, plus que tout autre, a œuvré pour la reconnaissance d'une musique spécialement dédiée à l'adoration. Cette musique devait, de toute façon, être la meilleure possible. Mais surtout, ce que nous reconnaissons à cet homme qui, un jour, choisit de rejoindre nos rangs, les rangs de ceux qui défendent et qui croient que la parole de Dieu ne change jamais. Eh bien, cet homme a apporté définitivement l'alphabétisation du musicien, le désir d'associer la qualité à la lecture et à l'instruction. Il nous laisse un héritage durable que nous respectons et nous croyons qu'en mettant cet héritage à contribution, nous ferons en sorte que son œuvre n'ait pas été vaine. Le frère qui vient d'intervenir, le frère Cantor, nous a montré que son influence va au-delà des frontières de la Guadeloupe, car en Martinique et en Guyane également, son influence et sa présence ont été efficaces et durables. Un maître est mort. C'est en musique que nous le quittons, mais je crois que c'est en musique que nous le reverrons. Car le Seigneur lui-même à un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, descendra du ciel, et nous serons enlevés et serons toujours avec lui. Amen. Merci à Fred Plumin, responsable du département musical au niveau de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Vous avez certainement corrigé la petite coquille dans votre programme. Des églises ont voulu aussi marquer leur encouragement vis-à-vis de la famille. Je m'en vais rapidement vous présenter quelques textes. Nous n'avons pas souhaité ce temps, celui de la séparation. Son passage nous a marqué, sa personnalité, sa générosité, sa spontanéité, son apport musical au sein de l'église de Baie-Argent. Toute l'assemblée a vécu des moments bienfaisants sous les doigts experts d'un talent reconnu. Nous remercions le Seigneur qui a rendu possible cette mission. Nous avons apprécié la ténacité du frère Skalka. Bâton à la main, le sabbat matin, il venait pour adorer son Dieu. Quel exemple de persévérance. Nos amitiés à Madame et Sœur Skalka, nos amitiés à ses enfants, à ses proches. Recevez donc notre soutien par Jésus-Christ, qui est la raison de notre espérance, Église de Baie-Argent. De votre tristesse, que Jésus-Christ, notre Créateur et Sauveur, vous console, renforce votre courage et votre espérance dans sa promesse de résurrection. Cette église cite Ésaïe 40, verset 31. « Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils pleurent et sont consolés. » Ainsi donc, et bientôt dans cette espérance, votre tristesse se changera en joie éternelle. Maranatha, vos frères et sœurs de la section locale de Vieux-Bourg, Mornalo. Et cette église adresse un petit clin d'œil particulier à Widi.
chère Lucie. Après une longue vie commune avec Paul-Émile, le moment inéluctable de la séparation est malheureusement arrivé. Le club des aînés de l'Église adventiste de la Guadeloupe, Amandier Fleury, est assuré que tu puiseras ta force dans ta confiance en la puissante main de Jésus, dans l'affection de tes enfants, petits-enfants et alliés, et dans le support des frères et sœurs de l'Église adventiste de la Guadeloupe. Poursuivons avec assurance notre marche, chères sœurs, en gardant les yeux fixés vers notre destination, la Canaan céleste. Maranatha, Jésus revient. Pour le conseil d'administration du club Amandier Fleury, Ruth Rostal et Marcel Samut. Pour terminer, l'administration, le personnel et l'équipe du ministère de la musique de l'Église adventiste du septième jour de la Guadeloupe sont très touchés par la disparition de frère Stralka Paul-Émile, éminent musicien et organiste qui a su transmettre son savoir à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes en deuil et nous soutenons son fils Rudy, membre du conseil d'administration, ainsi que sa famille et ses amis, en leur témoignant notre profonde sympathie. Soyez assurés de notre indéfectible soutien et de nos prières, afin que le divin consolateur vous accompagne tout au long de cette épreuve. À nouveau, Maranatha, signé le conseil d'administration et le ministère de la musique de l'Église adventiste du septième jour de la Guadeloupe. Que Dieu vous accompagne. Thank you.
Le moment est venu pour la famille, notre sœur Stralka, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les amis. Le moment est venu d'entendre une parole venant du livre sacré. Où serez-vous lorsque la trompette de Dieu annoncera le dernier grand meeting de l'humanité? Aucune allusion avec les élections. Hein. Dernier grand meeting. Il arrive que lorsqu'il y a des événements importants, que nous soyons absents. Enfin, il y a des choses qui ne nous intéressent pas forcément. Et celui-ci va à son champ, celui-là à son trafic. Mais la question se pose cet après-midi, où serez-vous lorsque la trompette de Dieu annoncera le dernier grand meeting de l'humanité? La Bible fourmille d'images et de métaphores qui illustrent le plan de Dieu en faveur des humains. Je voudrais, durant quelques minutes, attirer notre attention sur la métaphore de la trompette, qui dans la Bible tantôt rassemble le peuple de Dieu pour le conduire à la victoire face à des ennemis redoutables, et tantôt la trompette est là pour rassembler le peuple de Dieu afin qu'il vive des convocations solennelles. Chers parents, chers amis, vous l'avez certainement compris, le choix d'un instrument de musique dans le cadre de cette homélie funèbre n'est pas anodin. Car, chère sœur Stralka, ton époux, les enfants, votre père, a été un grand promoteur de la musique et du chant sacré. Plusieurs l'ont déjà dit. Chère famille Stralka, parents, alliés, amis, quel message la musique, et plus singulièrement la trompette, peut-elle vous laisser alors que votre souffrance, votre tristesse sont perceptibles? Le son de la trompette, dans la symbolique biblique, accompagne le peuple de Dieu dans sa quête de victoire. Je l'ai souligné, il évoque aussi, disais-je, le rassemblement d'hommes et de femmes pour une fête solennelle, pour une rencontre ou un meeting important. Objectivement, nous n'avons pas de territoire à défendre. Nous n'avons pas d'ennemis devant nous que nous devons combattre aujourd'hui pour que nous entendions le son de la trompette. Mais nous sommes certainement à la veille d'un grand meeting au cours duquel le Seigneur de l'univers déterminera la finalité de notre existence. Mais selon quels critères? Le psaume 50 déclare « Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque toute la terre. » Grand meeting.
depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Non pour écraser, non pour dominer ou pour condamner, mais Dieu désire qu'il y ait un jugement pour clarifier la situation de notre monde et dire qui est du côté de la vie. Et ce rassemblement sera possible, en tout cas le texte biblique nous parle du son de la trompette. Au son de la trompette, ce rassemblement se fera. Mais selon quels critères? Le psaume 50 répond aussi au verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc la trompette va rassembler les humains et Dieu à ce moment-là va déterminer qui est du côté de la vie. Et il dit, on rassemble qui? Les fidèles. Et les fidèles ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Les fidèles, c'est simple, ce sont les gens qui ont la foi. Et certainement tous, nous avons la foi, nous savons que Dieu existe. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a un texte de la Bible qui dit que les démons croient. Donc on pourrait dire qu'ils ont aussi la foi, mais ils tremblent. Donc avoir la foi, c'est nécessaire, mais certainement pas suffisant, puisque la parole de Dieu dit « Rassemblez-moi mes fidèles, mais qui ont fait alliance avec moi ». Donc voilà un deuxième critère, être fidèle, oui, mais faire alliance avec. Être proche d'eux, être avec, être du côté d'eux, s'engager. Et dans la biographie présentée par Joël tout à l'heure, il a dit qu'en 1950, frère Stralka a conclu une alliance avec son Seigneur Jésus. Et il a montré, c'était au vu et au su de tout le monde, qu'il était du côté de Jésus-Christ. Et que désormais, ils allaient faire équipe. Il y a quelquefois des alliances de circonstances. Parce qu'on veut gagner quelqu'un, on se met du côté de quelqu'un d'autre, qui n'est peut-être pas un ami, mais on se met du côté de quelqu'un d'autre pour écraser une troisième personne. Mais ici, il s'est mis du côté de Jésus, non pour un temps, mais pour tous les jours de sa vie. Rassemblez-moi mes fidèles. La trompette sonne, les fidèles qui ont fait alliance avec Dieu, mais le texte continue en disant « par le sacrifice ». Oh, il n'a sacrifié personne. En tout cas, il n'a fait couler le sang de personne, mais peut-être que ses enfants, quelquefois, voulaient bien qu'il soit là, et il n'était pas là, il était ailleurs. Dans les églises. Mais papa, où vas-tu? Je ne sais pas si Widi pleurait quand son papa partait, je ne sais pas, peut-être. Son épouse ne disait rien, mais encore, il n'est pas là. Et on l'appelle par-ci, on l'appelle par-là, mais il a une famille, il a des enfants, il a une épouse. Sacrifice, c'est vrai, c'est l'investissement vis-à-vis des autres, mais surtout sacrifice, et je crois que c'était au fond du cœur de notre frère. Il savait que le salut ne s'obtient que par la grâce de Jésus, que par le sacrifice de Jésus. Donc, ceux qui sont du côté de la vie, ce sont des gens qui sont fidèles, qui croient, ce sont des gens qui sont engagés aux côtés de Jésus et qui, vaille que vaille, tiennent bon, ils sont en alliance avec, et ce sont des gens qui croient que c'est la mort de Jésus qui permet à quelqu'un d'avoir la vie éternelle. Mais quelqu'un qui croit au sacrifice de Jésus se sacrifie, permettez-moi l'expression aussi pour les autres, exerce de la compassion envers les autres, s'engage pour former les autres, accompagner les autres. Je terminerai avec ce texte que pasteur Samut a lu tout à l'heure. Quand la trompette sonnera pour annoncer ce dernier camp meeting, plutôt ce dernier meeting, pardonnez-moi, voilà quelle sera la finalité des fidèles.
1 Thessaloniciens 4, verset, à partir du verset 14, du verset 16, pardon, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Paul dit, Paul, pas Paul-Émile, hein? Ici Paul l'apôtre, mais certainement Paul-Émile, s'il était vivant, dirait cela aussi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alors, ça a attiré mon attention, la trompette de Dieu. Je dis, mais le Seigneur s'intéresse autant à la musique. Mais durant l'éternité, Paul et lui vont continuer à être ensemble. Puisque si Dieu aime, Dieu va prendre sa trompette. Et puis Paul va se mettre au clavier. Et ensemble diront, aujourd'hui nous avons un chant spécial. Et Paul au clavier et Dieu à la trompette. Mais ça sera fantastique. Il faudrait être là pour voir ça. Puisqu'il est dit ici, c'est la trompette de Dieu. Donc Dieu ne vient pas les mains vides. Et lors de ce dernier camp meeting, il va rassembler tous ceux qui ont fait alliance avec lui, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont cru au sacrifice de Jésus et qui se sont donnés aux autres. Et alors, pendant l'éternité, la musique va envahir les voûtes célestes. Je ne sais si vous aimez la musique. Il y a un monsieur, j'ouvre une parenthèse rapidement que je veux fermer, c'est monsieur, monsieur Galas, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il peut nous faire un petit signe de la main? Monsieur Galas, vous êtes là, monsieur Galas? Faites un petit signe de la main pour qu'on vous voit. Voilà, c'est un voisin qui depuis des années écoute tout ce que l'on fait. Je ne sais pas si on le dérange, il ne dit rien. Depuis des années, il est inondé de musique et de musique. Mais tous les chrétiens, tous les croyants, pendant l'éternité, seront aussi inondés de musique. Donc, M. Galas, vous n'avez pas fini d'entendre de la musique. Vous n'en avez pas fini, puisque au ciel, et nous croyons que Dieu vous accompagnera pour que vous puissiez y être, vous entendrez encore de la musique. Que Dieu vous soutienne et soyez prêts pour ce grand meeting qui sera annoncé par la trompette, d'une part, et d'autre part, de pouvoir écouter lors de ce grand meeting un morceau spécial présenté par Dieu et sa trompette. Et Paul et son clavier. Ça sera certainement fantastique. Que Dieu vous accompagne. Et pour ceux qui n'aiment pas la musique, ou plutôt qui ne savent pas en jouer, vous aurez quand même une place parce qu'il y a les pauses et les silences. Donc vous pourrez aussi être là et assister. Et à la fin de ce duo, dire Amen, gloire à Dieu, pour l'éternité. Amen.
Bonsoir, frères et sœurs. Je vais vous faire la lecture du psaume numéro 15. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin, qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent et ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Amen. Le programme est sur le point de s'achever. Merci pour cette lecture qui vient d'être faite, qui nous invite en quelque sorte à être des hommes et des femmes libres en Jésus. Ne devenir l'esclave de personne et ni de quoi que ce soit, mais de pouvoir être des apôtres de la justice, des apôtres de l'amour, de la compassion. Je nous invite à écouter avec beaucoup d'attention ce chant qui sera interprété par la chorale de Boissard. Vous l'avez compris, chorale de Boissard, nouvelle version. Merci. Oh.
vous invite à vous lever, nous allons prier. Père qui es dans les cieux, nous te remercions pour la force que tu nous donnes en ce moment, pour l'espoir que nous avons par les promesses que Jésus nous a fait lui-même avant de quitter cette terre. Nous venons entendre des paroles d'encouragement. Puisses-tu, Seigneur, les graver dans nos cœurs et que chaque jour qui passera, dorénavant, que nous les méditions, que nous ne soyons pas affligés comme ceux qui n'ont point d'espérance, mais qu'au nom de Jésus, nous soyons forts lorsque les moments difficiles nous atteindront. Puisses-tu, Seigneur, bénir la famille Stralka et tous ceux qui leur sont associés. Et alors que nous allons quitter ce lieu de culte, nous avons la certitude que toi, tu continueras à demeurer avec chacun. Nous allons prendre la route pour Pointe-Noire. Puisses-tu nous précéder et nous accompagner afin que nous arrivions à bon port. Nous te prions pour tous ceux qui, ici, ont accompagné la famille. Puisses-tu réconforter non seulement la famille Stralka, mais tous ceux qui d'entre nous ont récemment, ou quel que soit, ont perdu déjà un être cher. Puisses-tu, Seigneur, nous accompagner avec ta paix et ta bénédiction. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Est-ce que le diacre de tout à l'heure peut venir prêter main forte? Voilà, il arrive.